Un ange nous est confié. Ta venue, certes inattendue, nous remplit de reconnaissance. Très surpris et si honoré. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ta destinée qui s'écrit sous les yeux de papa, maman et Eden. L'attente, la préparation qui sont déjà amorcées. Oh oui, viens, nous t'accueillons. Viens, nous t'attendons. Mais sa petite musique s'appelle Nana. C'était pas dans nos prochains plans et Dieu nous a fait grâce de nous donner encore une fille. Donc c'est un miracle et on chérit, c'est un moment pour nous de marquer ta venue en fait. On partage ensemble. Comment pour faire un truc ensemble, donc ça c'est une chose qui fait partie de la grossesse qu'on peut faire ensemble. Bien passé? Oui. On a fait quoi ici? On a fait la photo. On a fait des photos? Oui, aujourd'hui. Avec qui? Avec maman et papa et Eden. Oh! Et t'étais content? Avec la petite soeur. La petite soeur aussi? Oui. Donc c'est une petite soeur? Oui, c'est une petite soeur aussi. Elle s'appelle Nana. Elle s'appelle Nana. Oui. Ok. Super. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous présenter juste votre prénom. Oui. Monsieur et madame. Oui. Comment est-ce que vous vous appelez? Donc, moi, c'est Mela. Et moi, c'est Devi. Ok. Et moi, apparemment, vous êtes... On est mariés. Ok. Ok. Comment ça? Non, on est mariés. Ok, d'accord. Mariés, coutumièrement, on doit faire tout le reste. Bon courage. Ouais. Ok. Plus de courage pour le coutumier. Hein. Ouais. Ah ouais. Là, ça va. Hein. C'est vrai? Ouais. Ça va juste faire. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui ici? Mela. On est venu mettre, en mémoire un moment qui passe très vite. 9 mois de grossesse. Et voilà, on a choisi l'avant-dernier mois pour mettre vraiment ce moment de grossesse en valeur. Et donc, ouais, on est venu mettre vraiment en mémoire ce moment-là. Ok. Donc, apparemment, tu es à la fin de grossesse. Tu es à combien de mois? Là, je suis à presque 34 semaines, donc 8 mois. Waouh. Ouais. Et franchement, t'as la pêche, quoi. Merci, Mélissa. Ouais, ouais. On essaye. Ok. Alors, Devi et Mela, comment est-ce que ça vous est donné l'idée d'immortaliser le moment, quoi? Pourquoi un shooting photo? On l'a fait pour Eden aussi. Donc, on l'a fait pour Eden, donc on l'a refait cette fois-ci. Mais ça nous permet vraiment d'avoir un moment de famille particulier, en fait. Donc, de se retrouver et... on sait bien qu'après, quand on regardera les photos, ça va nous faire du bien parce que... oui, c'est un moment magique, en fait. Ouais. Alors, Devi, pourquoi est-ce que c'est important que tu puisses participer et accompagner Mela? Parce que tout ça sur les photos, c'est un peu vide. Hein. Il faut plus de vie. Hein. Non, parce qu'on partage ensemble. Donc, déjà que je fais rien pour la grossesse, je ferai rien pour l'accouchement. À part à soutenir, mais sinon, voilà. Non, tu vas porter les coups. Et porter les coups, ouais, ça aussi, les griffes, comme le fort. Mais à part ça, bah, il faut quand même qu'on fasse un truc ensemble. Donc, ça, c'est une chose qui fait partie de la grossesse qu'on peut faire ensemble. Mm-hmm. Ok. Et alors, comment va s'appeler votre petite fille déjà? Ah, ça, on va pas dire.
Ah, ok. Surprise. On garde le prénom que Kenan il a choisi. Ce ne sera pas ça, mais. Non, on va essayer de trouver un arrangement. Mais oui, aujourd'hui c'est Nana en tout cas. Ok. Ben, Kenan il s'appelle aussi Bulic, hein. Ouais. Et donc Nana, ce sera oui, ça peut rester Nana. Ouais, on va garder Nana, voilà. Comme si on a le souvenir, c'est mémorisé. Hein. Ce sera aussi Nana, ok? Et alors, bah, du coup, si vous pourriez dire un petit mot à Nana, qu'elle vous dit qu'elle verra plus tard, qu'est-ce que vous lui diriez? On a hâte de la voir déjà et que c'est un miracle pour nous, en fait, sa venue, parce que, voilà, on est parents de 3 enfants, en fait. Hein. On a Eden, on a un ange dans le ciel qui est né trop tôt, donc elle n'a pas su vivre. Mais elle est née vivante. Et donc on a eu un garçon, une fille, et on... C'est pas qu'on désespérait, non, mais allez, c'était pas dans nos prochains plans, et Dieu nous a fait grâce de nous donner encore une fille. Donc Nana, c'est Nana. Nana Choupette, Poupette, ma chérie, t'es un miracle, et on chérit, c'est un moment pour nous de marquer le... ta venue en fait, c'est voilà, t'es la bienvenue, on t'attend, papa, Eden, maman, on t'attend, on t'aime déjà très fort. Ok, very nice, merci. Merci à toi, merci à vous les filles, merci beaucoup en tout cas, que Dieu vous bénisse, et voilà, que tout se passe bien, que votre projet évolue, vraiment, merci. Vraiment. Merci beaucoup. Au revoir Eden, à bientôt.